Information à propos suivre sous Fernanche. Il y a un accord 4.5 millions de dollars signé dans Primatis, mais un projet de développement pour localité Saint-Niago dans Saint-Raphaël. C'est un gros action allemand cap exécuté contre ça qui signé entre ministère agriculture et CHF international. Pendant la durée contre ça, travail pour le créer dans Saint-Niago pour transformer cette production agricole dans zone ça. Hervé d'Arsonville, Wilbert Joie signé reportage. À quoi ça, le ministère agriculture signé avec Patnais, Action Agroalimentaire Allemande et puis CHF, doit porter fruits dans une période de 6 mois. Localité Saint-Niago, dans Saint-Raphaël, pral connaît un mouvement de développement dans le secteur agricole, finance à création, travail. Si à quoi ça concerne les zones Saint-Niago, il fait partie aide pour diminuer l'effet crise gangoua en Haïti. CHF, à travers, avec le fonds de la USAID, met à disposition le gouvernement et de la nation allemande et de fonds disponibles pour l'exécution de ce projet. Donc, en réponse à la crise alimentaire qu'on a eue en avril dernier, c'est un projet de réhabilitation d'infrastructures productives avec le composant d'une centrale hydroélectrique, avec la construction d'un parc agro-industriel, avec une extension de périmètre allégué sur route intérieure réservée pour permettre l'accès dans les zones de production, avec aussi la protection des micro-bassins versants. Après consultation, projet ça a réalisé dans Saint-Raphaël à cause caractéristique région 1 de capacité pour produire manger, d'après secrétaire d'État production animale là. Saint-Raphaël, avec ses périmètres guidés et son potentiel, son savoir-faire, est une des zones où nous allons mettre l'accent, comme d'autres zones de production, mais où il va falloir travailler à plusieurs niveaux. Les systèmes d'irrigation, c'est très important, mais également tout ce qui est en amont à la production, c'est-à-dire le crédit, les semences, les engrais, et ensuite la post-école, c'est-à-dire la commercialisation. 5200 monde de jeunes travaillent dans quatre projets ça. On va continuer avec l'information côté autorité locale, grâce à un support gouvernement, réaliser divers projets dans la commune Saint-Michel. La commune qui a besoin actuellement dans le domaine agricole de l'eau pour viser 25 000 hectares en Salon-Diane pour permettre à la zone ça produire manger ses demandes autorité locale. Le reportage avec André Frasme et puis France Canal. Pas sans raison, autorité locale choisit le thème Saint-Michel avancé pour fêter fête patronale communale Nissa. Grâce à support gouvernement, autorité Saint-Michel mettait commune ça en chantier. Construction place publique, adoquinage plusieurs rues dans la ville, construction lycée, route Saint-Michel-Saint-Raphaël, c'est le projet qu'a réalisé dans la commune ça d'après député circonscription Patrick Joseph. Gouvernement déjà manifesté bonne volonté à travers réalisation route Saint-Michel Saint-Raphaël. C'était un gros défi qui était gagné dans Saint-Michel. On route qui était connu machine pendant 2 heures et demie, 3 heures de temps, le diamouni a fait route ça dans 25-30 minutes. C'est un nœud présent, la population va inquiéter. Et m'a répété exactement sa président Prévalité dit. Dans des rencontres comme des gavelles. Il dit député, pas de charge et tout, CN et Saint-Michel, la pour réaliser toute route que Saint-Michel besoin avant de quitter Saint-Michel. Donc je dis, je finis réaliser Saint-Michel Saint-Raphaël, de ces raccordements qu'il y a fait entre Saint-Michel et Saint-Raphaël, et dans une situation qui était critique au niveau de Saint-Raphaël jusqu'à Cafou, Grande Rivière du Nord, il y a amélioré tronçon ça. Et tout de suite après, il y a passé sous Saint-Michel, marchand des salines. Il y a l'autre bord, autorité à travail pour mettre courant électrique dans la commune Saint-Michel, poteau à génératrice déjà sous place. Il était fil courant, d'ailleurs, il y a 15 millions de gouttes qui, dans le budget 2008-2009, là, autorité Saint-Michel, il a utilisé pour acheter fil avec l'autre matériel pour permettre à la commune Saint-Michel de courant normalement dans le domaine agriculture. Saint-Michel gagne 25 000 hectares dans sa Savandiane qui n'ont jamais utilisé. Il y a 10 hectares qui sont place, qui peuvent permettre de mettre en valeur 1 000
hectares d'après magistrat communal Lisette Casimir. Au moyen que l'on a utilisé, Saint-Michel capable d'offrir faire ça pour permettre pays d'Haïti manger. Il y a de la colline à la main, le troisième gars à le faire et qui n'a jamais exploité le terrain là en friche. Et c'est malheureux. Une fois encore, on a profité de TNH qui avec nous là. On nous dit qu'il y a 25 000 hectares de terre en friche à Saint-Michel. Ça demande irrigation et pour exploiter les pour payer à cajon manger, pour nous suspendre tout comme nous là-bas. Saint-Michel de la Talaye, une zone qui n'a pas Antibonite, qui gagne environ 140 000 personnes qui vivent là-dedans. Production cléréen, c'est plus gros apport économique zone ça a gagné. Commune Saint-Michel gagne environ 25 000 hectares qui disponibles pour produire manger seulement. Paysans ont besoin de l'eau pour mettre tes saillots en valeur dans sa vente pour zone ça capable de venir véritablement un pôle de développement pour pays. Merci André Fraze, mes amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous prendre en pause, mais France, que tu me parler? Eh bien, à propos de l'idée là, nous allons parler de Bicolo Haïtien, côté commission présidentielle pour